Bonjour à tous, on se retrouve pour ce quatrième épisode de Duke Nukem 3D. On va continuer nos petites aventures. Je dois avouer que je me souviens de moins en moins du jeu. Enfin, tout du moins de certains passages. Mais, oh, ça devra aller quand même. On devrait s'en sortir. On va aller détruire cette tourelle parce que sinon on va s'en prendre plein la gueule pour pas un rond. Hop. Groovy. Finalement, le lance-roquette c'est pas si mal. Bon, faut bien l'utiliser à distance, mais ça reste utile. Donc c'est efficace. On n'a pas encore accès à cette porte. Ah oui, je me souviens de ce passage. Je vais garder des roquettes de côté, on sait jamais s'il y a des d'autres trucs à détruire là. Alors oui, comme je disais, je me souviens très bien de ce passage, j'avais été resté bloqué un nombre de temps impressionnant ici. C'est qu'en fait, voilà, il suffit d'attendre là, de se mettre là pour entrer dans la chaîne de production et pouvoir accéder au reste du niveau. Alors c'est tout bête, mais ça fait partie des trucs sur lesquels on bloque. D'ailleurs, merde. Bon, bah voilà. Ouh, je suis encore en vie. Donc du coup, je vais pas avoir besoin de roquettes pour ça. Mais ça va être tendu. Heureusement qu'il nous reste un peu d'armure, ça devrait compenser. En plus, je l'avais vu au dernier moment. Je me suis fait attraper avant de pouvoir réagir, c'est dommage. Vas-y, putain, t'es où? I need it bad. Unlock. D'accord, ça c'était le retour vers le début du niveau. D'accord, super. Et ça doit être l'autre. Allez, vite. Alors, la suite. Juste déverrouiller la porte, normalement on revient. Pas confiance.
teste aussi. Plus ils font un bruit immonde. Ah, je me souviens. Vraiment, mais alors vraiment plus que niveau. J'ai pas dû les faire tant que ça en fait. Who wants some? Juste pour un stéroïde. Ok, donc c'est sous la flotte, ça marche. Vraiment mal. Oh alors ça c'est encore un passage. À la con. Alors, par contre, je suis pas tourné à la surface. Voilà. Et par contre, voilà, on va s'arrêter là. Et je vous donne rendez-vous pour le 5e épisode. Merci de m'avoir suivi.